Déjà, racontez-nous ce début d'étape, ça vous êtes parti assez facilement finalement. Hein. Bah, c'était un petit peu prévisible parce que c'était une étape pour sprinter, donc c'est vrai que logiquement ça allait partir assez vite et du coup on s'est retrouvé un bon groupe, c'est ce qui était, c'était notre avantage. Quand on serait parti à 3, ça aurait été plus compliqué d'aller au bout. Mais là c'est vrai qu'à 6, bah, c'était l'idéal avec un bon vent d'eau toute l'étape, donc c'était top quoi. À quel moment on est passé d'échappée matinale à échappée qui joue la victoire? Quand est-ce que vous l'avez compris? Bah, vraiment la bascule du dernier grimpeur. Hein. On savait que c'était jouable parce que le final était déjà il y avait une forte partie descendante et un bon vent d'eau, sachant qu'on était quand même de bons rouleurs, c'était jouable, mais il fallait attendre la dernière descente et on a vu qu'on perdait pas, donc c'est vrai que après on y a cru quoi. Le final en lui-même, comment vous l'avez géré? C'était pas facile. Il y avait le peloton qui était pas si loin derrière, il y avait deux équipes avec deux coureurs. Comment vous avez fait? Bah, c'est vrai qu'on s'est pas trop posé de questions. Il fallait que tout le monde roule et tout le monde se sacrifie pour aller le plus loin possible. Donc c'est vrai que moi j'ai passé peut-être un chouïa moins fort que les autres, mais tout le monde est passé, donc il y avait pas de mec qui l'a joué à l'envers sur le final. Et le sprint final. Bref. C'était un sprint vent de face, c'est vrai que c'est pas forcément ce que j'affectionne le plus. Déjà le sprint c'est pas forcément ce que j'affectionne. Après voilà, ouais, c'est vrai que c'est pas souvent que je joue la gagne, donc c'est pas évident de gérer cette situation. Mais bon, c'est une bonne récompense, échapper à va au bout, donc ça va me motiver pour aller encore à l'avant d'autres jours quoi.